Bon, super. L'air est respirable. Je ferais mieux de me mettre en route tout de suite. Je ne sais même pas par où commencer. Toujours rien. Un artefact lumineux. Un artefact lumineux. Unique. Oh, si seulement j'en savais un peu plus sur ce qui les empêche de venir sur cette planète, je pourrais essayer de trouver les propriétés de cet artefact et donc affiner mon analyse. Un ancien temple souterrain, mais je pourrais mettre des mois avant de le trouver. Il pourrait être n'importe où. Il fait nuit, je n'ai toujours rien trouvé, aucune trace de quoi que ce soit. Seulement ce désert gigantesque. Et je suis complètement exténué. Qu'est-ce que c'était que ça? Une forme de technologie? Vite, je me mets en route. C'est certainement de cette tour qu'est apparu ce flash. Voyons voir. Bingo, un souterrain. Ça m'a l'air étroit, mais je n'ai plus trop le choix. Je vais continuer. Ça alors! C'est incroyable! Je crois que j'ai trouvé le temple souterrain. J'en suis même plutôt sûr, à moins qu'il y en ait plusieurs. Mais ça m'étonnerait. Non, ça doit être celui-là. Il me reste plus qu'à trouver ce fameux artefact, s'il est toujours là. C'est un livre racontant l'histoire du temple. Il est indiqué qu'il fut construit à l'emplacement où des mineurs illustromax ont découvert il y a fort longtemps un artefact luisant d'une bleuté unique. Le cœur de la planète, ils l'ont appelé. Cet artefact aurait des propriétés magiques, permettant à son détenteur de créer la vie sur la planète comme de la détruire. Il fut alors décidé que l'accès à cet artefact serait interdit et le temple condamné à jamais. Intéressant. Je mettrai ma patte à couper que quelqu'un ait creusé le tunnel vers ce temple pour voler l'artefact et détruire toute vie sur cette planète. Et les Illustromax veulent que je rapporte cet artefact pour recréer la vie? J'ai toujours dit que c'était une mauvaise idée de garder ce genre de choses. Il aurait mieux fallu le détruire une bonne fois pour toutes. On ne bouge plus! Retourne-toi.
Doucement. Maintenant, dis-moi, qui es-tu ? Je suis Luke Skywalker, je suis archéologue, docteur en archéologie, passionné d'histoire. Je viens de la planète Foxland et je suis en mission pour explorer les lieux afin de découvrir les secrets de cet endroit magnifique, et aussi de percer le mystère de la disparition de la vie sur cette planète. À qui ai-je l'honneur ? Tu me sembles convaincant. Colonel Jack Burns. Enchanté, docteur Skywalker. Je suis terrien, militaire, et je suis le responsable de la disparition de la vie sur cette planète. Pardon ? Comment ça ? Sous l'ordre du gouvernement terrestre, ma mission était de détruire la menace Illustromax pour sauver l'humanité. Il y a un an, le 5 janvier 2169, les Illustromax ont attaqué la Terre. Nous les avons repoussés, mais avons subi de lourdes pertes. C'est pourquoi j'ai été envoyé ici, pour les éliminer. Je pense avoir réussi, mais mon vaisseau s'est écrasé et il est irréparable. Je n'ai aucun moyen de rentrer. J'essaye donc de survivre jusqu'à ce que quelqu'un vienne me secourir. J'ai même essayé d'envoyer un signal lumineux. Et c'est là que je t'ai vu, dans le temple. Tu es forcément venu avec un vaisseau, n'est-ce pas ? Ah, ok, je comprends mieux l'histoire maintenant, il ne m'avait pas tout dit. Qui ça ? Non, rien, je réfléchissais à voix haute. Oui, j'ai un vaisseau, mais comment dire, c'est compliqué. Disons que j'ai mal anticipé l'entrée dans l'atmosphère et je n'ai plus d'énergie. J'avais entendu parler d'un artefact qui possédait de nombreuses propriétés et de l'énergie en grande quantité. Ah, le cœur de la planète. Oui, c'est de ça que tu as entendu parler. Ça tombe bien. Je l'ai avec moi. C'est avec ça que j'ai détruit toute la vie de cette planète. Merveilleux. Tu me le donnes et je te fais sortir de cette planète. Marché conclu. Le voici. Waouh, incroyable. Les légendes étaient donc vraies. Sa luisance est exceptionnelle. Il possède assez d'énergie pour alimenter mon vaisseau pour l'éternité. Oui, mais une fois que tu nous auras sortis de là, il est à moi. Oui, on en rediscutera une fois sortis de ce pétrin. Feu. Qu'est-ce que... Traître ! Non, attendez, stop ! Vous allez m'expliquer calmement ce qu'il se passe entre vos deux espèces. Ensuite, vous allez négocier un traité de paix, je vais faire réapparaître la vie sur la planète avec l'artefact, et ensuite, chacun rentrera chez lui. Et il n'y aura pas plus de blessés que ce qu'il y a déjà eu des deux côtés. Compris ? On va faire autrement ! Je vais tuer chacun de ces types, jusqu'à ce qu'ils soient exterminés à jamais ! Jack, calme-toi. Tuer n'est jamais une solution. Baisse ton arme, fais le premier pas, et ils vont faire de même. Bien. Maintenant, expliquez-moi le conflit depuis le début. Un jour, durant une de nos cérémonies sacrées, les humains sont venus du ciel, soi-disant en paix. Ils voulaient en réalité exploiter nos réserves de gaz dans nos sols pour en faire du carburant pour leur flotte de vaisseaux. Ils nous ont menacés et ont commencé à tirer. Nous avons naturellement riposté. Pardon ? Je n'avais jamais entendu cette histoire. On m'a toujours dit que ce sont les Illustromax qui voulaient nous exploiter et conquérir la Terre. Nous n'avons attaqué la Terre que pour nous défendre. Ces humains. Ils n'assument jamais les conséquences de leurs actes. Ils remettent toujours la faute aux autres. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui vous est arrivé. Et j'ai honte d'y avoir participé. Bien, maintenant que vous avez fait ce que vous auriez dû faire depuis le début, parler, vous pouvez négocier un traité de paix entre vos peuples, et moi, je vais enclencher le processus de création de vie sur votre planète. Tu sais faire ça, toi ? Oui, je suis aussi docteur en physique, en biologie et en mathématiques. Ah, tu es docteur en tout, en fait. Je veux t'appeler docteur, du coup. Le docteur. Merci beaucoup, docteur, ou peu importe votre nom, pour tout ce que vous avez fait. Avec plaisir. Bon, j'ai du boulot qui m'attend. Le docteur.
Ça me va bien, j'aime bien. Je pourrais en être un bon, j'en suis sûr. Et voilà qui est fait. Merci beaucoup, docteur. Vous êtes la bienvenue sur notre belle planète lorsqu'elle sera entièrement reconstruite. Ah bah, c'est maintenant que tu marches, toi. Je sais enfin où je suis, et quand je suis. Je ne comprends pas tout ce que tu dis parfois, mais merci beaucoup de m'avoir ouvert l'esprit. Je suis content que tu aies appris quelque chose, mais tu sais, il y a encore beaucoup à voir. Viens voyager avec moi. Dans cette petite boîte ? Non merci, j'ai des obligations. Les Illustromags vont me ramener sur Terre. J'ai un rapport à rédiger. Tu souhaites encore gâcher ta vie et celle des autres pour des gens qui cachent des choses aussi importantes que ce que tu viens de vivre ? Viens avec moi, Jack. Je vais te prouver que les armes ou la violence ne résout rien, et que seul le cerveau le peut. Je ne sais pas. Ai-je mentionné que ma boîte voyage aussi dans le temps ? Tu délires, là ? Pas du tout. Bah alors, Piggy, tu ne sais pas ce que tu as manqué, c'était génial. Mais c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Incroyable, n'est-ce pas? Par où veux-tu commencer? N'importe où. Où je veux? Où tu veux, et quand tu veux, dans l'espace et dans le temps. Une planète, n'importe laquelle. Le plus loin de la Terre possible. Et c'est parti pour le plus loin de la Terre possible. Qu'est-ce que... Que se passe-t-il ? Le TARDIS m'indique qu'un message est en train d'arriver, mais il a du mal à le récupérer. Un long message, peut-être ? Non, ce n'est pas ça, c'est autre chose. En fait, le message provient directement du vortex temporel. Je ne l'ai pas en entier, seulement... un morceau. Et donc, c'est quoi ce morceau de message ? Je n'en ai aucune idée,